La fille que tu as vue n'est pas ma copine. Je ne pourrai jamais sortir avec une fille si... parfaite. Si blonde, c'est ça? Non. Si belle. Si différente de moi, je voulais dire. Justement, il est au centre culturel. Il répare les dégâts causés par cette ex-étudiante. Quoi? Ils t'ont renvoyé, ma pauvre. Vous voulez pas la boucler un peu? Vous êtes contente, non? Pour qui tu te prends pour renvoyer une élève sans même m'en parler d'abord? Pour le responsable en ton absence. Mais tu me racontais tout avant. C'est parce qu'avant... Avant, j'étais une enfant. À cette époque, je ne savais pas quoi faire et j'ai cru que le mieux, ce serait de l'éloigner de tout ce qui pourrait lui rappeler Maria. Il semble évident que travailler en équipe n'est pas du tout votre fort. Mais il va bien falloir vous y mettre. Et celui qui n'y arrivera pas se verra renvoyé du studio. Est-ce que vous avez fixé la date du mariage? Oh, Mathias, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois sauver toute ta famille? Elle est sans doute partie retrouver son ami Lydra. Quoi? C'est la vérité, monsieur, mais n'imaginez pas que votre fille est amoureuse. Quel amoureux, Violetta, un amoureux. Je compte vraiment sur vous pour présenter un travail de qualité devant vos camarades. Et face à Rafa Palmer. Quoi? Rafa Palmer va venir nous voir? Je voudrais voir le livreur. C'est pourquoi? Il vous a volé de l'argent? Non, il m'a volé ma fille. Je sais pas pourquoi tu penses... Le voilà enfin. Vous n'avez pas le droit de lui hurler dessus comme ça. Je conseille de ne pas t'en mêler. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais c'est une enfant. Ah, je vous en prie, Herman. Elle a le même âge que votre femme quand vous l'avez rencontrée. Et comment vous savez l'âge qu'avait ma femme quand je l'ai rencontrée? Tu m'as dénoncé. C'est ta faute. C'est toi qui lui as dit que j'étais partie pour retrouver Thomas. Tu m'as trahi, Olga. Mais Olga, c'est elle ou c'est toi?